Hey, hey! Salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice, joue à Sekiro. On va essayer de continuer d'avancer dans le domaine Hirata. Même si j'ai plus l'impression de me perdre que d'avancer, mais bon. On va y aller comme ça. Je pense que vous, je suis un peu obligé de vous tuer quand même. Mais juste un peu, hein. Par contre, là-haut, je sais que je vais aggro les ennemis, ce qui est un peu relou, mais bon, je crois que j'ai pas le choix. Et là. Et 2-3. Sauf qu'il y a un archer qui s'est barré. Ouais, le premier que j'ai tué, je crois que c'était pas un archer en fait. Et je dois refaire toi. D'accord. C'est la flèche, c'est pas le coup de. Ah, fallait sauter, tu l'as vu qu'il fallait sauter. Sois pas. Pourquoi il meurt pas? Ah. Ah, la TP Shuriken, bah, c'est pas vraiment une TP du coup, alors j'ai pas réussi à bien la faire. Ça me fait avancer un petit peu. Je vais réessayer, t'as raison. Aïe! Peut-être c'est quand ça te touche. Ouais, t'as vu, c'est juste un pas avant en fait. Pas aussi bien que ce que je pensais. La hache. Comment on y vient à cette branche là en fait? C'est sûr que ça m'éviterait de me taper le gros et tout quoi. Je crois qu'on peut y venir depuis en bas. Je sais pas. Je réessayerai. À la prochaine mort. Donc, nous arrivons ici. C'est bien en feu. Ah! C'est mon maître, ça, non? Attends, pas. Pas forcément envie d'aller là de suite, je pense. Ah, bah voilà! Ah mais c'est pas un trésor, c'est juste une bougie, mais c'est... Il s'est fait avoir encore. Bon, dans tout ça, j'accumule quand même pas mal de points de compétences. Hein. Ah, je pense que l'IA laisse pas passer ça. Je fasse rond en fait dès que je me fais taper, c'est ça qu'on avait vu. À chaque fois, il reste comme un débile pour se prendre l'attaque suivante, c'est pas hyper cool. Ah! J'ai eu peur. Je pense que les deux chemins vont se rejoindre au final et en fait on est à la fin de cette zone. Probablement. Probablement. Parce que là tout est en feu donc je pense pas que je puisse faire grand chose.
Je sais pas si on va finir sur un boss ou pas. J'aurais peut-être pu faire ça dans l'épisode précédent. Bon, c'est pas grave. On va se reposer un coup. Fé-lolo, loulou, mon petit frère, fé-lolo, t'auras du Bushido. Ah! Intéressant. Croc et lame. Je pourrais faire des attaques de hache plus l'épée en même temps, ce serait trop bien ça. Ouais. Vas-y, et le prochain truc qu'on prend, c'est pour les emblèmes. Ok. Par contre, je vais où maintenant, moi? Par là, apparemment. Ah merde! Bonjour! J'ai dit comment pour le grappin déjà? Ah, pas comme ça. Ah non, il y a encore plein de trucs à faire, bah mince alors. Alors attends. Ça d'accord. Remonte-moi. Comment je fais ça? Ah, c'est R1 en U. Hein? Mais du coup, oui, mais le grappin, je peux pas le faire sur les ennemis en fait. Oh merde. Allez, je peux taper en montant hein, si l'ennemi est à côté du point. Ah mais c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Merde. Attends, il y a l'archer relou comme d'hab. Ah mais qu'est-ce que tu fous comme attaque? Pourquoi t'as tapé à droite? Fallait pas taper à droite. Connard d'archer. Je pense qu'il y a plein d'ennemis derrière moi. Peut-être pas, punaise. J'étais en train d'essayer d'exécuter l'autre et j'ai raté. On va revenir tout de suite et faire un pétard direct. C'était pas censé marcher le pétard plus attaque? Non, d'accord. Ah si. Gah! Et tu me lances pas du sable au visage, espèce de... Non. Ville. Oh. Vache. Quoi, qui, quoi, quand? Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, je pensais que les ennemis à l'âge, ils seraient plus faciles à dévier que les ennemis à l'épée, mais... Enfin, à faire perdre leur posture que les ennemis à l'épée, mais pas du tout, quoi. Bah, je continue de me perdre du coup, hein. Je pensais que les deux endroits allaient se rejoindre très vite, puis pas du tout. Donc voilà. Pourquoi ça brille? Ah. Confetti divin. Oui. Chasse les ennemis fantomatiques. D'accord, le papier est fabriqué de manière solennelle, en étalant finement la pâte, à l'aide de l'eau de la source de l'éveillé. Tout comme les dieux bénissent les eaux, le possesseur de ces confettis en sera béni par le contact, permettant ainsi aux attaques contre les ennemis fantomatiques de toucher. Donc il y aura des fantômes, il faudra ça pour les toucher. D'accord. J'espère que c'est pas tout de suite. Mais le fait qu'on me le donne maintenant, c'est probablement un indice que ça va être incessamment souple, quoi. D'accord. Un mur en papier qu'on ne peut pas trancher. Ok. Peut-être des petites carpes dans l'étang. Peut-être pas assez de profondeur vu la taille des carpes. Yeah.
T'as rien vu, t'as rien vu. Non, non, non. Chut, chut. On se faisait un câlin. Laisse-nous tranquille. Eh hey, les gars, ils faisaient un câlin. Vas-y. Je fais des câlins à qui je veux. Mais entre adultes consentants. Ah ah. Un secret. Ah ah. Un secret, rien du tout. Il y a un truc derrière, je le vois, il y a le mur qui brille. Fais pas genre, il y a rien. Merde. Mur illusoire. Non. Je sais pas s'il y en a dans le jeu. Dans quel jeu on les a cherchés tout le temps? Il y en avait pas, c'était Bloodborne ou il y en avait pas finalement? Je crois. Bon, bah je reviens par là alors. Et là, ouais. Une zone bien ouverte comme ça, je disais, ça va être un gros groupe d'ennemis bien relou. Ça va pas louper, d'accord. Bon. Ok. Par là, c'est fait. Ok, ok, ok. J'essaie de comprendre un peu la logique de la zone. Eh, il y a un pote. Tu crois qu'il va nous aider à oxyre tous ses ennemis? Bonjour, monsieur. Bien, bien, bon, c'est vite dit, hein. Une canaille? Une canaille, bah dis donc. Oui, bah, t'es pas le seul. Tu vas y aller tout seul comme un con? Oh là là. Et les samouraïs et leur honneur débile. Ah, mais il y a un boss en plus. Punaise, Juzo le pocheur. Ah ouais, il boit. Non mais... Okay. Ça c'est un boss qui ressemble vraiment à un boss pour le coup, hein. Merde. Oh, non, 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 non. Non. Le jeu te laisse aucun répit quoi, t'as peine fini de tuer l'ennemi, t'es déjà en train de parer une autre attaque, c'est trop bien. Ah, il met une altération d'état verte, je sais pas ce que c'est. Ok, allez, faut qu'on tue le petit là, et après... Ah mais tu mets une espèce de poison sur ta lame en fait. Mais ça va être chaud parce que toi, ouais, faudrait pareil te bouffer une vie en étant furtif, je pense. Je pense les boss, ça a l'air d'être vraiment basé là-dessus, quoi, parce que c'est tellement chaud déjà de leur prendre une vie. Quand ils en ont deux. Je sais pas s'il y aura plus de deux par la suite, mais bon. Ah bien. Ok. Tu fais quoi là? Ah, t'as des attaques de shop. Oh non. Burk. Ah, les petits coups de patte. Ah, rester comme ça, ça me permet de récupérer la posture. D'accord, bah, je comprends mieux comment les ennemis récupèrent, là. Ok. Allez. Ma barre, elle monte tellement vite. Au secours. Lui il se met pas en garde mais il a déjà tout récupéré ce que je lui ai pris quoi. Putain j'ai l'impression de faire les bonnes parades mais ça monte pas vite sa barre. Hein. Putain. Oh. Bloqué contre un mur que je pouvais pas voir, merde. Bon, en même temps, hein, il faut être conscient de l'environnement qui nous entoure, patati, patati. Bon, j'ai pas envie de le faire maintenant, lui. Ça semble compliqué, là. Hein. Après, j'aurais peut-être utilisé H plus épée, c'est peut-être comme ça que je vais y arriver. Mais oh, il y a tous les ennemis à refaire. Bon, on essaie une fois de plus, puis sinon on se casse ailleurs.
On va voir notre maître. Ça se trouve, faut que j'aille voir mon maître de l'autre côté et il va m'aider pour ce combat. Il y a tellement d'ennemis là. Est-ce que je peux pas... Merde, ça y est, j'ai été vu. Je me casse. Je me casse, je vous dis. Non. 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 Non et non. Est-ce qu'on peut pas rejoindre l'autre côté? Ouais, apparemment pas. Il y a trop de... Trop de feu. Gagé. Ah mais je peux pas remonter là en fait. Comment je vais réussir à me mettre au-dessus? Faut absolument qu'on arrive à aller au-dessus. Ah là-bas il y a un point. Clac. Ok. Là il y a un truc que j'ai pas chopé. Ah bon? Pas pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, là il y avait deux petits ennemis, c'est vrai. Mais en fait quand il a la flèche jaune au-dessus de lui, il faut que je continue d'avancer pour lui faire l'exécution, c'est ça le truc. Quoi? Et non mais il doit y avoir un moyen de grimper, c'est pas possible sinon. Merde. Bon bah ça y est, j'ai été vu. Merde. Il doit bien avoir un moyen de lui tomber dessus à ce pochard là. Ah bah il y a que lui qui m'a vu. Parfait, viens, viens, viens. J'avais oublié, quand je suis par terre faut que j'appuie sur un bouton sinon il se relève pas tout seul. Punaise. Dans le couloir j'y étais non? Oh je sais plus, peut-être pas. C'est sûrement rien. Au moins t'es tout seul. C'est deux fois que tu le faisais hein. Ah, le bon petit combo là. Ah, mais ça lui fait perdre pas de vie. Ah, et puis moi je peux rien faire pendant hyper longtemps. Et au secours, comment on va faire? J'arrive pas. C'est-à-dire que quand je fais une déviation, ma contre-taillade là, elle a... Enfin, ou alors faut que je la fasse vraiment tout de suite, tout de suite, tout de suite. Faut que je fasse plus vite. J'ai l'impression qu'elle a pas le temps de le toucher avant qu'il réenchaîne. Donc je vois pas quand je peux taper, et quand j'arrive à le taper, si c'est pas sur une contre-taillade, sa posture elle monte pas. Enfin sa jauge de... comment dire, de perte de posture, elle monte pas. C'est problématique. C'est assez problématique. Et du coup... Ah, faut que je refasse ça. Ah mais avec la branche qu'on avait vue, j'espère que je peux y aller sans taper le gros et tout. Je fais des bruits tellement bizarres que l'IA essaie de supprimer mes bruits. Ouais bah ouais, quand je grogne et tout ça, elle comprend pas. Alors moi je vais aller à cette branche, là. Comment je vais à cette branche là en fait? Là. Oui, c'est celle-là que je veux. C'est en effet cette branche à laquelle j'aimerais m'accrocher. Elle est trop longue. Mais comment? Ça semble être un petit peu la baisse de mettre une branche là et il n'y a aucun moyen d'y accéder en fait. Hein? Ouais. Yeah. Très bien. Et donc, mon grappin là, il me sert vraiment à rien, mais... Et à quoi ça sert de mettre une branche là? Je comprends pas. Je comprends pas à quoi elle sert. S'il y a aucun point qui permet d'y aller. Ou alors tu vas sur le pont, tu vas sur la branche, et comme ça tu fais juste un petit zigzag pour zapper l'ennemi, en courant comme un fou. Je comprends pas bien, hein. Toi, tu iras pas de l'autre côté du pont déjà. C'est comme ça. Ouais, c'est là. Mais si t'es là, les ennemis t'ont forcément déjà vu en fait.
Ah, non. D'accord. Bizarre. Bonjour. Donne-moi un truc qui me permet de tuer le boss, s'il te plaît. D'accord. Prends ceci. Ok. Oui, bah j'ai déjà trouvé. Ah, on peut plus revenir du coup. Inspecter. Prends son épée, prends quelque chose, prends un truc. Non. Faut que je le passe que avec du skill, mais j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Merde. Fais chier. Ouais, et puis là il me propose d'aller faire le chemin qu'il vient de m'indiquer, mais je sais très bien où ça va tout ça, ça va à ma mort. Tu t'es perdu, prends une clé, ouais bah. Non mais je suis pas perdu, j'ai juste un boss qui j'arrive pas à passer. Bon. Alors soit on try hard ce boss comme un ouf. Soit on retourne dans la temporalité, dans la temporalité, pardon, plus logique du début du jeu, quoi. Dans le présent, parce que là on est 3 ans dans le passé. M'en fous. Rien à battre ! Megaloon, Dayo ! Et suivez-moi ! Je sens que vous êtes pas capable de faire ça, bande de moules. Bon. Donc, c'est chiant parce que lui, je pense qu'il est obligé de nous voir. Hein. Bah ouais, direct, il est rouge. Pas moyen. Tiens, je me suis brûlé sur le côté. C'est... Ah, ah, mon point d'attache, pourquoi il a disparu? Bah, je le voyais. Et puis, quand je pensais qu'il allait se remplir et que j'allais appuyer sur L2, et il s'est barré. Il a dit non, à te faire voir, tu t'accroches pas à moi. Bon, bah non. Alors. Ah merde, je suis arrivé en courant. Du coup, il m'a vu direct. Il a fait une disparition ninja, exactement. Dans. Alors, et par là. Mais il est où le gros? Coucou! Non! On peut pas! Faut lui bouffer deux vies du coup, et merde! Il est là, il est assis, il est tranquille, lui, hein, il est content. De toute façon, il y a un brouillard, donc je peux pas passer. Donc, faut vraiment tous les tuer. Au secours. J'ai même pas réussi à aller faire une attaque furtive. J'ai déjà plus de vie, mais va te foutre. Mais oh. Bah, tu vois, je préférais tout à l'heure quand il y avait que le boss qui m'avait vu. Là, il y a tous les petits ennemis à gérer en plus, du coup. Eh hey, merde! Ah bah vas-y, tue-moi, on va se barrer. Hein. Voilà, on va se casser, vas-y. Je laisse tomber. Voilà. Je laisse tomber ce boss pour l'instant, on va se barrer dans le reste du jeu. Je pense qu'on va juste se casser les dents. Ça va être frustrant, c'est pas la peine. Donc on a fait tout ça pour rien! Merci! Allez, salut! Hop! Voilà. Ouais! Génial, super.
Ok. Alors, revenons ici. Il y avait un gros batteur attaché. Sur le feu, d'accord. Ça doit être un yeux rouge. Ouais. Okay. Donc en fait, ouais, on est allé choper cet outil-là quand même dans notre passé. Bon, je sais pas, peut-être qu'on peut le passer. Enfin, on doit pouvoir le passer, le boss là. Ah, mais toi aussi! C'est toi qu'on a vu dans le passé. Et donc toi, tu vendais ça. C'est cher. Moi, je dois avoir genre 2, vu que je suis mort, je sais pas combien de fois. Ouais, c'est ça, 200. Ok. Là, c'est une petite discussion entre notre héritier divin et la doctoresse. Et donc, avançons dans la route logique du jeu. Le fait qu'il y ait une petite coche sur espionner, je me demande s'il n'y aura pas un succès débile, genre espionner tous les ennemis qui peuvent être espionnés. Il y a un truc qui bug là. Ah oui! Je sens qu'on va être sur nos deux routes, sur deux ennemis très relous. J'arrive pas. Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah! T'es plus attaché du coup. Hi-ha! What? Punaise! Saisie! Les saisies ne peuvent pas être déviées. Une fois saisies, vous ne pouvez éviter de subir d'importants dégâts. Mais si vous sautez ou sprintez, vous pouvez esquiver les saisies. Merci! Aimer ça. Ah putain, non, je peux pas la dévier celle-là, ou alors je pouvais pas. Enfin, je pouvais pas parce que j'étais dans une autre animation. Ok, donc ouais. D'un côté on a un boss, de l'autre on a un ogre. Bah, je me sens bien là, je me sens bien pour continuer à avancer. Oui, bien sûr, ça va être facile. Tiens, j'entends que les bruits de fond se sont arrêtés du coup. Ça. Je vais pouvoir enlever l'IA, ça me fera une plus jolie voix. Je pourrais plus m'entendre queener. Ouais, les boss ont l'air vraiment hardcore de chez hardcore. Bah, surtout pour le Ponzu, non, le Jun. Je sais plus quoi là. Le bourré, le pochard, Junzo. Bon, bref, l'autre là. Ah. Alors, faut juste que tu me remettes le jeu, s'il te plaît. C'est mieux comme ça, merci. Parce que moi, je le voyais pas en fait, donc c'est un peu handicapant quand même. Ok. Par là, il y avait rien. Ok. Je suis bien content d'être de retour dans cette zone parce qu'en plus elle est beaucoup plus jolie. Écoute, le domaine ira tard, on y retournera, je sais pas, hein, de toute façon c'est le passé, donc il va. C'est pas comme si d'autres événements allaient se produire. Donc, je pense qu'on le fait un peu quand on veut. J'ai peut-être eu tort de trop insister, je sais pas. Je sais pas du tout. Merde! C'est bien que le jeu me laisse choisir un petit peu où je vais. C'est très bien, mais j'avoue que du coup j'ai du mal à comprendre la logique du. Mais je suis censé aller où du coup? Je comprends pas bien. Alors attends.
Faudrait que je lui bouffe une vie. Mais pour ça, faudrait que je puisse passer par là. Ah non, c'est un escalier, puis lui, il est au bout, quoi. Je peux pas, hein. Ah si, attends. Là, peut-être. Te rate pas. Merci. Et après... Là-bas, il y a l'air d'avoir d'autres branches et une autre zone, mais... Je vois pas du tout comment y aller, là. À moins que... Faut le prendre à revers, hein. De toute façon, attaquer frontalement dans le jeu, ça a l'air d'être totalement pas la bonne idée. Bah, je vois bien que ça me donne vachement envie d'aller là, mais il n'y a aucun point de grappin, en fait. Ou alors par ce côté-là, on va y aller après. Ouais, parce que là, on avait vu la mue de serpent et tout. On arrivait ici. Là, tu fais, ah, il y a des trucs, mais je peux pas y aller. Elle est où ma branche? Elle est là-bas, en face. Ouais, non, bah, laisse tomber. Peut-être après. D'accord. Bon, bah, le... L'ogre, ça va être frontal. Alors, du coup... Équipe ça, c'est quand même fait pour, a priori. C'est con qu'on puisse pas lui foutre un coup de sabre alors que le truc est attaché quand même. Non, c'est ridicule. Ah, je pense pas que ce soit avec la... Oh. Mais le mec, c'est un catcheur. Si vous aviez un doute après cette animation là, le tout n'est plus permis quoi. Ouais, merde. Pas la chope, pas la chope, pas la chope. Trop drôle. Trop drôle. Oupa. Est-ce que si je te tue avec la barre de vie, ta barre de posture, elle redescend aussi? Ah, que ce soit la barre de vie ou la barre de posture, les deux, de toute façon, te... Ah, c'est ça, tu reviens tout à zéro. Pourquoi il y a deux barres? Ça sert à quoi qu'il y ait deux barres, du coup, si de toute façon, les deux se terminent avec une exécution? Et elles se remplissent à peu près à la même vitesse en plus chez toi. Donc, je pense que pour ce combat, nous allons totalement oublier l'existence de notre bouton L1, hein. Rien dévié, c'est tout avec des esquives, des placements. Et puis ça surtout. Brûle! Brûle! Non, oui! Yeeha! Ah ouais, en plus c'est vrai que j'ai cette attaque là maintenant. Alors quand même... Ah, l'exploration du domaine Hirata m'aura permis d'avoir les outils pour faire ça. Et le truc de feu, et l'attaque après un coup de grappin. Attaque tourbillon. Yeah! Eh ben voilà, on l'a poutré la grosse bête! Ha ha! Ouais! Poutré de chez poutré. Contre Miriki! Ah! J'ai fait quoi jusqu'à présent dans le jeu? Bah écoute, je suis allé faire le domaine Hirata, je suis tombé sur le pochard, il m'a claqué les fesses, je suis parti. Voilà. Du coup, je suis revenu ici. J'en suis pas loin, je pense, du coup. Ça, c'est un peu la zone de début, quoi. Allez, grimpe. Je pense que le pochard, on reviendra plus tard, hein. Mais après, je suis pas sûr qu'à un moment je tape plus fort ou je puisse plus déstabiliser les ennemis sur leur posture. J'en sais fichtrement rien. J'espère, parce que là, le combat contre le pochard, ça a l'air d'être une purge, quoi. Ça permet de voir des objets à distance. Hein? Enfin, la longue vue! Yeah! Il serait temps que ma gourde soit un peu plus efficace. Faut peut-être que j'apporte ça à quelqu'un, non? Je les ai pas apportés, en fait, à aucun moment à la doctoresse, là. Ah bon? Bah merde. Persiste? Ouais, bah on retentera peut-être le pochard
On pourrait le faire maintenant, parce que de toute façon... Malheureusement, je vais bientôt devoir arrêter. Dong dong? Ah la saleté! Et bah, t'as bien. Vas-y, on va retenter le boss. Pourquoi pas? Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais du coup, avant de tenter le boss, je vais peut-être aller. Attends, il est où ma statue? Elle est là. Je vais peut-être aller vite fait au docteur. Ah, oh, vous voulez un poulet de l'enfer? Allez go! Après, ce qui est chiant avec le pochard, c'est qu'il y a 1000 ennemis autour. Alors ouais, on peut amener le petit samouraï avec nous là, mais... On a eu du bol la deuxième fois qu'on l'a tenté. Tous les ennemis autour, ils m'ont pas vu et lui, il m'a vu. Du coup, il est venu tout seul. C'était parfait. Oui, il est malade. D'accord. 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 Oui. D'accord, oui. Si tu veux. Tiens. Ah, c'est juste le nom d'utilisation. Oui, oui, allez, allez, on a un boss à faire là. C'est bon. Non, non, je veux pas te parler, non! D'accord, j'ai une marque, je sais. J'ai remarqué. Très bien. Ensuite. On a peut-être des points de compétence à mettre, non? Zéro, d'accord. Très bien. Et puis. J'en ai que trois. Ok, allez, go. Oui. On y retourne. Le try hard, hein. Puis c'est tout. Puis si j'y arrive pas là, et bah peut-être je le ferai en off et je rajouterai ça à la fin de l'épisode. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. Ça pourrait être quand même un bon boss pour bien se mettre les mécaniques du jeu dans les mains, quoi. Tiens, j'ai deux charges de résurrection en plus. Ah, c'est la bonne tentative pour y arriver, hein. Je suis pas sûr que ma gourde m'aide beaucoup, hein. Tu te fais tellement démonter quand tu te fais taper que. Alors, le petit point, cette fois il disparaît pas, merci. Non! C'est marrant ça, je vois pas de flèche jaune, mais il y a quand même un ennemi qui me tire dessus. Ah, ça y est. Ouais, je m'en fous de vous. On va tuer les deux petits mecs dans la maison, et on va essayer de... Passer par. Je sais plus par où je suis passé pour attirer juste le boss. Peut-être juste là où je suis là. Ouais, c'est ça. Ah merde! Je l'ai vu le gros rond rouge pourtant. Ah, c'était rond dans l'autre sens. Comme ça. Après, notre boss, je suis pas sûr qu'il en fasse beaucoup des trucs comme ça par contre. Hein. Il fait que des attaques latérales. Chlac, chlac, avec sa lame courbe là. Eh coucou! Monsieur le boss? Boss! Coucou! Ah voilà, c'est bon, il m'a vu! Super! Ah, donc lui il te voit de loin, mais les autres ennemis non. Parfait! Parfait, parfait! Donc on n'envoie pas le petit samouraï. On pourrait l'envoyer pour faire une distraction, mais bon. Ah, est-ce que je peux lui mettre la flèche jaune? Genre il se dirige vers moi et après j'ai fait une attaque furtive, mais depuis où? Il n'y a pas de plante, je peux pas aller sur ce toit, je crois. Avec quoi je vais te faire du mal? Avec du feu? Tu crois que le feu sur sa lame empoisonnée ça va lui faire du mal? Ah, faut sauter celle-là, espèce de trou de balle! Pas mal. Bien,
Ah mais je suis trop loin pour lui faire une contre-taillade là. Saute ! Oui ! Ah merde ! Gaga. Attends, t'es en train de te mettre dans un tout petit trou de souris là, je suis pas sûr que ce soit ce que tu veuilles. Je fais pas les contres comme il faut. Apprends les timings au lieu d'appuyer sur L1 par petits à coups. Ah j'ai appuyé deux fois. Ah ouais non mais ça c'est... Si tu fais une déviation qui est pas parfaite, tu prends toute ta barre quoi. Raté. Ça c'est bon. Non ! Ah mais c'est l'altération d'état, elle ralentit ma récupération parce qu'elle est un peu verte ma barre du coup. C'est ça. Ah mais t'as le dos poilu, Burk. Allez. Ah le timing est hyper décalé. J'ai du mal hein. Oh merde. Oh la portée de ouf. Ok. Et pour l'instant t'as rien fait quoi. Yes. Oh là 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 là. Je sais même pas si je devrais utiliser mes charges maintenant. Ah, je peux pas utiliser l'autre. Ah bon? Eh ben quoi? Saute, espèce de con! Oh là là, Juju, mais non, mais il a qu'une attaque rouge lui. Non, il a une chope aussi. Ouais, il a une chope aussi. Pff, mais t'as fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Bon, il a pas. Oh non, mais tout le monde va être malade à force de tryhard ce boss. Eh bah tant pis, hein. Oui, oui, bah c'est bon, hein, ça va. Jamais été fan des mécaniques punitives de quand tu meurs dans les jeux From Software. Enfin, déjà, tu perds ta thune et ton XP dans ce jeu-là. Qui sont séparés, on n'achète pas les choses avec notre XP, contrairement aux... aux autres jeux, Bloodborne, Dark Souls et tout. Et en plus de ça, du coup, les gens sont malades. Forcément, moi, ça me rend pas heureux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... ouais, pour apprendre, faut crever. Non, non, faut bouffer des ennemis, puis faut crever. Ouais, t'as pas le choix. Non, non, faut vraiment te faire démonter pour réussir à prendre les ennemis. Mais bon, si tu meurs trop, c'est mal. Bah, je comprends pas, tu m'envoies des messages contraires, en fait. Merde! Ah, faut vraiment que j'ai pas juste plus de temps pour que les trucs deviennent des réflexes quoi. Juste je me gourde de boutons comme un idiot. Allez le boss. Coucou! Ah j'ai peut-être pas rajouté la mort. Hein. 18, je crois. Allez amène-toi. Qu'est-ce qui était le mieux là? Les flammes, le pétard ou la hache? Aucune idée. Peut-être la hache quand il est en train de cracher dessus, comme ça j'ai vraiment le temps de lui en mettre un bon coup. Allez, on va essayer ça. Nice. Ah mais je suis trop loin pour faire le contre quoi. C'est chiant. Ça pousse tellement. Non. Les masques de collision d'échappe dans les jeux From Software, c'est génial. J'étais à combien de kilomètres pour qu'il réussisse à m'attraper, là? Punaise. Et sinon, j'ai pas capté pourquoi j'ai droit à qu'une seule charge alors que j'en ai deux de chargées. Sur les boss, t'as droit à qu'une charge, peut-être. Ça semble injuste. Merde. Et moi aussi, je vais boire un coup, tu sais quoi. Eh bien... Yes. Ah celle-là, même si je la dévite, t'enchaînes l'autre, pareil. D'accord. Est-ce qu'il vaut pas mieux l'esquiver? Merde, la portée de celle-là, à chaque fois, elle me nique. Ok, on en est toujours à rien, du coup. Assez désespérant, l'apprentissage des ennemis de ce jeu, hein, parce que, en fait, tu peux passer 5 minutes sur un boss... à apprendre ses attaques et à le taper, mais en fait tu fais rien parce qu'il perd tellement pas de vie puis la posture il la récupère. C'est très déstabilisant, mais bon. Saute. Ouais c'est ça. Saute vers l'avant si possible.
saute. J'étais plus près que tout à l'heure, mais ça m'a pas chopé. Comme quoi, le masque de collision il est vraiment un peu débile. Hein. Ok. Trop tôt. Après, tant que je dévie, même si ma jauge est pleine, je me fais pas péter, c'est ça? J'ai du mal à capter ça. Ah, je touche pas parce que ça me pousse trop. Vers la gauche, c'est le secret, je crois. Quoi? D'où? Mais d'où? Mais va te faire... En fait, c'est quoi ce truc de... What? Ah bah vas-y, hein, je vais juste m'entraîner en off, on va rester à deux pour cette fois, là je peux pas faire mieux comme mort que ça quoi. La pauvre flèche venue de nulle part, qui traverse le décor, c'est magnifique. C'est merveilleux. Mais ça, ce sera un problème surtout le long du jeu, je pense, entre ça et la caméra, c'est... S'il y a des petits soucis techniques comme ça, genre les ennemis tapent à travers les murs, ou la caméra qui se bloque sur un jeu aussi exigeant, ça va me faire râler assez systématiquement quoi, hein.
Merci à vous d'avoir suivi tout ça, je vous dis à très vite pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.